aujourd'hui, la journée qui nous réunit aujourd'hui, c'est la journée des contrôleurs de tickets. C'est une journée, c'est une première depuis 1990. C'est la première fois qu'on organise une journée dédiée aux contrôleurs de tickets. Pourquoi cette journée? C'est tout juste pour pouvoir communiquer avec la communauté estudiantine. Le service contrôle ticket, qui participe beaucoup au budget du CROUS, l'habitude, on dit d'habitude que le budget du CROUS, c'est l'agrégat de nos ressources additionnelles et de la subvention de l'État. Le contrôle ticket, conscient que nos ressources additionnelles sont menacées par les journées sans ticket des étudiants. L'incidence financière en dépenses est énorme, mais surtout l'incidence financière en recettes est encore plus énorme. Et que là, raison pour laquelle nous lançons un appel solennel à tous nos étudiants d'arrêter les journées sans ticket. Parce que c'est le service contre ticket qui en pâtit la première, mais surtout c'est le budget du CROUS. Pourquoi le service contre ticket? Parce que c'est là où les étudiants donnent leur ticket subventionné. Et quand il y a journée sans ticket, nos journaliers ne sont pas payés. La subvention des étudiants est menacée. Raison pour laquelle nous avons organisé cette journée pour communiquer surtout. Communiquer par rapport à ces tickets, mais communiquer par rapport à l'hygiène et à la salubrité de nos restaurants universitaires. Le service, c'est les restaurants universitaires, le contrôle ticket, mais surtout, il y a un autre volet, le volet hygiène-salubrité. Car, comme je l'ai tantôt dit, la propreté est un effort de volonté. Donc, vous étudiants, c'est vos moments, c'est un cri de cœur. L'université Gaston Berger, le CROUS, c'est pour vous. Le campus social, c'est pour vous. Arrêtez les journées sans ticket, s'il vous plaît. Mes contrôleurs sont là, derrière moi. Raison pour laquelle on a fait cette journée, pour vous sensibiliser. Pour vous sensibiliser par rapport à ces risques-là. Pour vous sensibiliser par rapport à ce manque à gagner.